Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette tranche consacrée à la présidentielle du 20 décembre 2023. Une tranche qui permet à chaque candidat de dévoiler sa vision sur la République démocratique du Congo ou mieux son plan d'action en rapport avec sa candidature. Ce soir, nous allons recevoir un autre candidat très connu, le pasteur Théodore Ngoï. C'est avec lui que nous allons échanger sur sa vision, sa nouvelle vision sur le Congo. Mais avant cela, je ne serai pas seul sur ce plateau. J'appelle respectueusement mes confrères Oscar Malkaïch de la RTNC de venir me rejoindre sur ce plateau. J'appelle également Albert Kambale qui vient de Goma. J'appelle aussi M. Patrick Mulunda Banza, Jean-Jacques. Lui, c'est un confrère qui vient de Lubumbashi. Voilà, les confrères sont là, donc c'est avec cette équipe que nous allons échanger. Et je m'en vais appeler notre invité de ce soir, le candidat, le pasteur Théodore Ngoï. Il est là, il avance. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Prenez place. Pasteur Théodore Ngoï, candidat président de la République, vous êtes sur ce plateau, vous êtes sur cette chaise qui sera la vôtre après le 20 décembre 2023. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Qui êtes-vous exactement? Qui est le pasteur Théodore Ngoï? Je suis né le 5 juin 1958. À Lubumbashi, mon père qui nous a déjà quittés, qui m'a appris que la richesse, c'est des valeurs auxquelles on croit, droiture, honnêteté, intégrité, qu'il ne faut jamais monnayer. Il m'a dit, Bakutuke amba wimulanda, ke bakutuke amba wingivi. Chez Bakutuke amba wingivi, bigale bia ouvela. Donc, si les gens disent que tu es pauvre, il ne faut pas regretter. Si les gens disent que tu es malhonnête, mais que ce soit faux, ta lumière viendra de l'Éternel qui te justifiera. Mon père était de Lupichi. Lupichi, c'est dans le Malimbankulu, village Kamwanga. Et ma mère de Bukama, dans la collectivité de Kinkonja, dans le village Kamwanga. J'ai fait mes études primaires à l'école primaire officielle de la Katoba première, à Lubumbashi, dans la commune de la Katoba. La route Kaboulo-Roger qui va vers la digue, l'école est encore là. Je pense que je me ferai le devoir de la visiter après mon élection et de voir comment on peut relever ne serait-ce que les bâtiments et même toute l'infrastructure de cette école. Après, je suis allé étudier d'abord à Nyota Azaïr, d'abord au CEU Mavuno, ensuite Nyota Azaïr, puis je suis allé finir mon diplôme d'État à l'Institut Ouezo. Le préfet de cet institut, Ochu Djamba, est toujours vivant. Il est le préfet du lycée Kiwele. Mais avant lui, c'était professeur Banza Kalumba, qui l'a remplacé, le préfet Banza Kalumba. Et puis, il y avait un directeur des études, Mouepou Chamboui, qui est devenu plus tard préfet du lycée Kiwele, puis de l'Institut Oshindi, où je suis devenu moi-même plus tard proviseur, intérimaire, et même préfet intérimaire, parce que le préfet n'était pas toujours là. Malheureusement, cet homme des valeurs, Mouepou Chamboui, nous a déjà quittés. Comme le préfet Mwamba était Bamwe Mwamba, était préfet de l'Institut Nyota Azaïr, psychologue de formation, qui aurait pu être très utile à ce pays. Et j'aurais évidemment fait de lui ministre de l'enseignement primaire et secondaire, mais nous a déjà quittés aussi. Et je suis allé étudier à l'université de Lubumbashi,
où j'ai fini ma licence en sciences politiques en 1985. Mulumbati Ngasha, professeur ordinaire et émérite maintenant, je crois, a dirigé mon mémoire. Et plus tard, je suis allé à Bukavu, où j'ai donné cours à l'Institut d'Ibanda et à l'ISDR Bukavu avant de me retrouver à Kinshasa, où j'ai commencé ma carrière à la Banque centrale du Congo. J'ai exercé les fonctions de secrétaire du conseil d'administration. Mais bon, j'ai été démis d'office pour des raisons injustes. Je réclame d'ailleurs d'être rétabli. J'avais déjà été rétabli en partie, j'attends d'être rétabli entièrement. Et j'ai profité d'un moment où j'étais donc libre pour faire le droit à l'UPC. J'ai commencé en premier graduat. Je suis licencié de la deuxième promotion en droit. Et puis, je suis allé faire les études supérieures en droit à l'UNIKIN. Quand l'on a incendié ma propriété, que je me suis retrouvé bloqué en exil en Grande-Bretagne, j'en ai profité pour faire une thèse de LLM à Oxford Brookes University. Donc, j'ai un degree, comme on dit, de LLM by Research pour une thèse qui a été reçue. Et puis, je suis revenu à Kinshasa. J'ai soutenu ma thèse en droit. Les professeurs Akele Adao, qui nous a quittés, un savant du droit qui est parti très tôt, étaient les promoteurs. J'étais encadré par le professeur Kienge Kienge, un homme qui a partagé avec moi l'amour de la science et surtout la méthodologie. Je viens d'ailleurs de publier un livre sur la méthodologie juridique à l'attention des étudiants pour faire les TP, les mémoires, les TFC, les mémoires et les thèses en droit, où je démontre que si le droit est une science sociale, mais il est avant tout une science normative. Donc vous êtes docteur en droit. Je vais terminer. Il faut faire la recherche en droit à partir des sources de droit, par l'approche documentaire, c'est mon livre que j'ai publié. Donc je suis docteur en droit de l'Université de Kinshasa. J'avais été élu député provincial de l'Assemblée provinciale du Katanga avant son morcellement. Et j'ai été élu en son sein président de la commission qui a rédigé les règlements intérieurs, qui a servi de modèle d'ailleurs à toutes les provinces. Je suis actuellement professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale. Je suis chef du département de droit public. Je suis avocat, conseil à la Cour pénale internationale. Je suis le président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave. Et je suis le candidat président de la République numéro 17. Vous êtes aussi un homme de Dieu. Je suis pasteur de l'église de la Gombe, à Kinshasa. Voilà. Théodore Ngoï, merci pour ce parcours, pour ce parcours ô combien élogieux. Mais on retiendra que vous avez été candidat à président de la République en 2011. Vous l'avez été également en 2018. Et vous venez en 2023 avec la même ambition. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi vous tenez mordicus à briguer la magistrature suprême et vous allez nous donner, par ricochet, votre plan d'action pour la République démocratique du Congo. Et vous avez 5 minutes pour ça. Je n'ai pas été candidat en 2011. Je ne l'étais pas non plus en 2006. J'avais annoncé que je serais candidat en 2006, fin 2005. On a considéré que j'avais offensé le président qui était en place. On m'a arrêté, on m'a menotté, on m'a mis à Makala. Et j'étais le dernier prévenu à comparaître devant la Cour de sûreté de l'État le 16 février 2006. Mais je n'ai jamais été jugé. Et donc, je n'ai pas pu être candidat en 2006. Je ne l'ai pas été en 2011. J'étais en exil forcé. Je suis revenu en 2011. J'étais par contre candidat député national. J'ai été élu, mais on a suspendu la publication des résultats et on a nommé des députés. J'ai été effectivement candidat en 2018 et je suis candidat en 2023 parce que l'enjeu de l'élection, c'est trouver un homme bon. Angelo Bandi,
kuchinu kwa janju la mtu weba. Weba ou ekale mtu mwimpe. Nous avons besoin de quelqu'un de bien, qui a la compétence, qui est honnête, qui est intègre, plutôt que d'avoir des gardiens. Parce que depuis la conférence de Berlin, les nations qui se sont réunies et qui ont fait du Congo, l'état indépendant du Congo, en anglais, Free Congo, ont décidé qu'il n'y aura aucun pouvoir souverain sur le Congo. Ils auront la liberté de navigation sur les bassins conventionnels du Congo, ils auront la liberté de commerce. Et Léopold II était un gardien, mais Léopold II a commencé à construire la Belgique en coupant les mains des Congolais qui ne réunissaient pas la quantité de caoutchouc et de l'ivoire. Le rapport Roger Casement, qui avait été demandé par la House of Commons, a accusé Léopold II de génocide contre les Congolais. Alors il a préféré éviter d'être jugé. Il a cédé ce qu'il a appelé ses possessions du Congo. Et 80 ans durant, la Belgique a continué à exploiter nos ressources. Les autres États ont fait de la Belgique le gardien. En 60, on a voulu que Lumumba devienne gardien. Il a refusé. On a dit c'est un chien enragé. On l'a tué. Mobutu est resté au pouvoir pendant toutes les années que vous connaissez. Laurent Désiré Kabila est arrivé. Un secrétaire d'État, un ancien secrétaire d'État américain a dit qu'il commençait pour la première fois à bâtir la nation congolaise. Évidemment, on l'a assassiné. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas un gardien des intérêts des Congolais à la tête de l'État. Nous avons toujours eu des chefs d'État qui sont les gardiens, qui jouent le rôle des gardiens des intérêts des autres, des intérêts de ceux qui ont armé le Rwanda à l'ombre du génocide rwandais pour occuper notre pays et nous empêcher d'organiser notre économie parce que nos ressources ne sont pas sous notre contrôle. Elles sont exploitées par d'autres pays à travers le Rwanda et l'Ouganda. Et le Rwanda a même créé, je crois, une usine de transformation de notre colombium tantalium, alors que le Rwanda n'a aucune ressource de ce genre. Donc, il faut un homme qui va reprendre en main le destin de notre pays, qui en a les compétences, qui en a les moyens intellectuels, mais aussi les moyens sur le plan moral. Et je suis cet homme-là. Le président Joseph Kabila, un jour, quand je lui demandais pourquoi je n'étais pas encore établi à la banque alors que je le connaissais, je le fréquentais, il a levé son doigt et m'a dit « Tu n'es pas comme les Congolais, tu as une mission que le Seigneur Jésus-Christ t'a donnée pour le Congo. Ne parle pas comme les Congos, ne trahis pas les Congos. » À Sun City, Étienne Tshisekedi, avec qui je m'entretenais souvent, a dit à maman Marthe, qui est encore vivante, qui peut donc le confirmer, parce qu'elle me reprochait le fait que le gouvernement Kabila, dont j'étais proche à l'époque, mais j'avais refusé les fonctions qu'on m'avait proposées parce que j'estimais que mes valeurs ne pouvaient pas être mises en exergue au sein de ce gouvernement. Il faut que je devienne moi-même président de la République parce que pour faire la justice, vous allez avoir même le peuple contre vous. Tous ceux qui sont prédateurs nationaux, associés aux prédateurs internationaux, ne voudront pas d'un homme qui aime la justice. Il n'y a pas d'intérêt de la société qui ne soit pas la justice. Et donc, je n'étais pas donc au gouvernement, bien comme il l'avait proposé. J'avais même été nommé par décret gouverneur de la Banque centrale, mais ils ont retiré le décret, je n'ai pas pu exercer ces fonctions. Alors, maman Marthe disait, « Pasteur Ngoye, ce côté abysso le sous. » Et Tshisekedi Tshisekedi lui a dit, « Tu ne parles pas à Théodore Ngoye comme tu parles là. Il n'est pas comme les Congolais. » Et il m'a dit que, « Pasteur, c'est vous qui ferez de ce pays un état de droit. » Donc, je suis candidat président de la République parce que aucun de ceux qui m'ont précédé, aux fonctions que je vais prendre, j'espère que je vais faire la remise et reprise avec le candidat président de la République sortant, qui a dit au peuple congolais, « Je n'en peux pas. Mboke Koufakala, la justice détruit la nation, lui magistrat suprême. » Donc nous allons lui donner l'occasion de se reposer, comme on dit dans ma langue, qui sait loi qui va mouler maintenant. Donc, Mokumbe Komi Kilo Ponaye, il va se reposer, il va être
le deuxième sénateur à vie, que moi je vais protéger pour que la paix règne au Congo. Je suis le candidat numéro 17. Le 17e jour, Dieu a fait pleuvoir sur le pays pour détruire tout ce qui était corrompu. Et le 17e jour, l'arche est allée se reposer sur les montagnes de la Harate. C'est moi que Dieu va utiliser pour faire reposer ce bateau qu'est le Congo sur la montagne de paix. Et nous allons commencer la vraie construction parce qu'il faut arrêter la destruction que le président sortant n'est pas capable d'arrêter. Voilà, Théodore Ngoï, on a suivi votre vision sur le Congo. Maintenant, nous allons commencer les échanges avec les différentes thématiques. Nous allons parler de la politique nationale, administration territoriale et réforme institutionnelle. Et je m'en vais vous poser juste la première question. Une fois élu président de la République, que pensez-vous de l'actuelle Constitution? Est-ce qu'il y a des articles que vous allez retoucher? Vous envisagez une révision de la Constitution ou vous allez la garder telle qu'elle? Bon, c'est évident que dans un premier temps, je vais la garder comme telle, mais il faudra en revoir l'essentiel, c'est-à-dire le contrat de société qui n'est pas appliqué. La Constitution porte un très bon contrat de société, protection des droits de l'homme, protection des droits de la défense, protection de la présomption de non-sens, protection de la propriété privée. Bon, mais il y a par exemple cette affirmation selon laquelle l'État exerce une souveraineté permanente sur ses ressources. C'est insensé. L'État congolais est propriétaire du sol et du sous-sol. Donc, de ce point de vue, j'amènerai la majorité à modifier la Constitution pour qu'on affirme clairement que l'État congolais n'exerce pas une souveraineté permanente. L'État congolais est le propriétaire. Je vais aussi mettre fin à ce dualisme au niveau des institutions. On a un président de la République, un premier ministre, qui en réalité, lorsque le président de la République est le chef politique, parce qu'il est le chef constitutionnel quand il est élu, et le chef politique quand il a la majorité à l'Assemblée nationale, l'actuel président a une majorité fabriquée de toutes pièces. Et il a carrément fait traverser le Rubicon aux députés élus comme députés d'un groupe politique, d'un groupement ou d'un regroupement politique. Mais ils sont devenus, par enchantement, des députés de ce qu'on appelle Union pour la Nation. J'aimerais, lorsque je serai président de la République, je m'organiserai pour que j'ai une majorité légitime, pas acheté. Et je vais amener cette majorité à comprendre qu'en réalité, notre régime est présidentiel. Le chef de l'État est le seul qui convoque le Conseil des ministres, l'organe de décision du gouvernement. Ce n'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre est le chef du gouvernement, il conçoit la politique avec le président de la République. En fait, vous connaissez les projets des 100 jours, la vision du chef de l'État, le programme du gouvernement. C'est en fait le chef de l'État qui est le chef du gouvernement, en réalité. C'est lui qui a le pouvoir de faire fonctionner les services publics par son arbitrage. Il faudra donc que l'on établisse des institutions stables où le président de la République est véritablement le chef du gouvernement, où on a une assemblée nationale qu'on ne peut pas dissoudre, un président de la République qui ne peut pas être mis en cause par l'Assemblée nationale et va faire le contrôle du fonctionnement des services. Les ministres pourront être responsables devant le Parlement, mais le président de la République ne pourra en aucun cas être remis en cause par quelque moyen que ce soit. C'est le régime présidentialiste que je pense pouvoir installer parce qu'il répond à nos schèmes de pensée, à notre culture, à notre imaginaire collectif.
Tata a yé nzale sili. Donc, n'imagine pas un président de la République comme on l'a fait en 60. Un président de la République qui est élu par le Parlement à la demande de celui qui a la majorité, en l'occurrence c'était Lumumba, mais qui ensuite a commencé à révoquer le premier ministre qui ne pouvait pas révoquer, qui n'avait pas le pouvoir de révoquer. Voilà, on retient que vous allez. Cette crise-là. On retient que vous allez réviser certains articles de la Constitution. Il y en a plusieurs autres. Politique actuelle. Alors, on va prendre la question de Oscar Balkaïj. Pasteur Théodore Ngoy, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux d'être en face de vous aujourd'hui parce que vous êtes un homme à plusieurs casquettes. Vous êtes pasteur, professeur d'université, docteur à thèse, vous l'avez dit, vous êtes professeur ordinaire et en même temps politologue. Ma question, c'est celle de savoir, parce que vous avez parlé d'un homme juste dont le pays a besoin, et cet homme juste, c'est vous. Tout à fait. Et l'appareil judiciaire congolais est gangréné de beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots qui gangrènent justement cet appareil judiciaire de la RDC. Et dans les cas des réformes institutionnelles, par où allez-vous commencer? Parce qu'aujourd'hui, l'appareil judiciaire ou la justice, c'est elle qui élève une nation. Je vais commencer, et cela va traverser tout mon mandat. Je vais commencer par l'homme d'abord. Le problème du Congo, c'est un problème d'homme, un problème de mentalité. Lorsque on n'assure pas la dignité du Congolais, en lui offrant la protection de sa liberté, de sa dignité, en lui offrant les conditions de vie, l'accès à un salaire décent, à un logement décent, eh bien, il cherche à trouver les solutions à ces problèmes. Il recourt à la corruption. Regardez les roulages sur la route. Ils doivent chercher l'uniforme eux-mêmes, s'acheter l'uniforme eux-mêmes, dans notre pays. Ils ont quel salaire? Ils ont des enfants. Ils sont mariés. Alors, ils sont obligés de commander. Donc, c'est des pratiques que vous encouragez à vous entendre parler. Pardon? Vous encouragez ces pratiques-là à vous entendre parler. Vraiment? C'est ce que vous entendez que j'ai dit. Vous me surprenez. Je suis en train de dire, parce que l'on n'a pas assuré la protection de la dignité du Congolais, de sa liberté, de son patrimoine, de son intégrité physique, même de sa vie, le Congolais n'est pas protégé. La démocratie, c'est la protection des citoyens dans leur liberté, leur dignité, leur vie, leur intégrité physique, leur patrimoine, et la protection de l'État à cause des citoyens. On protège le patrimoine de l'État qui aujourd'hui n'est pas protégé. Le patrimoine de l'État, les ressources minérales et autres richesses sont pillées. L'argent du contribuable est pillé sous le mandat du candidat président de la République sortant et qui va sortir. Nous avons découvert qu'on pouvait détourner 500 millions. Qu'un fonctionnaire pouvait détourner 500 millions. Et la question d'Oscar, c'est de savoir quelles sont les réformes que vous pouvez initier dans le secteur de la justice. M'exprimer. Tout à fait. Et je voudrais vraiment insister sur la liberté que je dois, dont je dois jouir ici, parce que, conformément aux dispositions des articles 110 bis 111, c'est le seul moment où les candidats ont accès à ce média national qui, à longueur de journée, parle du candidat sortant. Comme en 2018, parle du candidat qui est au pouvoir. Et donc, il faut nous laisser nous exprimer. Oui, allez-y, vous avez nous interrompre, parce qu'il a posé une question. Moi, je suis en train d'y répondre. Vous m'interrompez pour me faire croire que j'étais en train de dire que ces pratiques-là, j'ai les approuvées. Maintenant, vous dites, vous ne répondez pas à la question de Oscar. Je suis en train de, c'est Oscar, hein? Oui, c'est Oscar. Je suis en train de lui répondre. Et je répondais en même temps à ce que vous avez introduit comme élément. Donc, j'ai dit que le patrimoine doit être protégé. L'argent des contribuables doit être protégé contre les prédateurs nationaux et les prédateurs internationaux.
Et dans cette protection-là, il faut assurer le salaire décent aux magistrats, comme à tout fonctionnaire, comme à l'enseignant, au professeur d'université que je suis. Quand je serai président de la République, les professeurs n'auront pas à aller négocier avec les ministres de l'ESSU et les ministres de la fonction publique. Je vais prendre des décisions qui permettent au professeur d'université qui a les statuts, qui est une référence dans la société, au professeur de l'école primaire, à l'enseignant de l'école primaire, qui nous donne les rudiments, la base, il doit être respecté, notamment par un salaire qu'on lui donne qui lui permet de vivre dans la dignité. Et donc c'est, le social je pense que, qui sera votre priorité. Absolument. Réformer la justice, c'est réformer d'abord l'homme. C'est assurer qu'il n'y aura personne parmi les magistrats qui sera impuni. Je vais réformer le Conseil supérieur de la magistrature, qui est devenu une corporation, n'est-ce pas? Parce que le président de la République nomme, promeut, met en retraite, révoque les magistrats sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par le président de la Cour constitutionnelle. Et même les ministres de la justice, protocolairement, et en dessous de lui. Mais je vais changer ça. Le président de la République et le magistrat suprême, il doit, comme en France par exemple, présider le Conseil supérieur de la magistrature. En France, c'est. C'est pas tout donner français. Des pouvoirs, c'est pas beaucoup de pouvoirs pour le chef de l'État. On a fait une erreur en croyant qu'il faut donner beaucoup de libertés aux magistrats de décider entre eux. C'est une erreur qu'on a faite. D'abord, le magistrat du parquet n'est pas indépendant. Le magistrat du parquet, c'est les policiers. C'est l'envoyé du chef de l'État. C'est l'envoyé du roi. C'est pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, en Belgique, on l'appelle procureur du roi. D'où vient le magistrat du parquet? C'est le roi, en France, qui veut qu'on arrête tous ceux qui ne payent pas l'impôt et qui désigne des avocats qui vont devant les juges et qui parlent à partir du parquet. C'est pour ça qu'on les appelle magistrats du parquet, ceux qui parlent à partir du parquet. Le parquet, c'est ça, là où sont nos pieds. Et les juges étaient à l'estrade. C'est plus tard que les magistrats du parquet est passé à l'estrade et on l'appelle magistrat debout parce qu'il parle debout. Alors, ces magistrats-là étaient au service du roi, des envoyés du roi, pour rechercher les infractions, surtout les infractions en matière de non-paiement d'impôts. Et le roi a nommé un chancelier pour les gérer. Et ce chancelier a été chargé aussi de garder les sceaux du roi. C'est pour ça qu'on l'appelle garde des sceaux. Voilà. Et donc, les magistrats ne sont pas indépendants, ils sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Et ils doivent l'être. Ils doivent être sous cette autorité-là. Le Conseil supérieur de la magistrature doit évidemment faire des propositions en matière de carrière. Ils doivent aussi jouer le rôle en matière disciplinaire, encore que là-bas, moi j'ai été avocat d'un certain nombre de magistrats et j'ai gagné tous les procès d'ailleurs en leur faveur. La justice ne fonctionne pas de manière indépendante en réalité. Savez-vous que tous les chefs des juridictions apposent des visas aux décisions? On dit que le juge est indépendant. Il n'a d'autre autorité que la loi. Mais c'est le chef d'office qui décide de la décision qu'ils doivent prendre. Même à la Cour de cassation, quand ils ont fini de proposer de faire leur projet, de délibérer. Ils font le projet, ils déposent au premier président qui doit viser. Il peut dire, pas dans ce sens-là, vous allez dans l'autre sens. Et pourtant, ils interdisent les visas eux-mêmes, leur code d'éthique, mais ils ne respectent pas. Le premier président de la Cour de cassation doit viser toutes les décisions. Moi, je suis avocat, il y a des décisions à la Cour de cassation dans lesquelles on ne prononce pas jusqu'à aujourd'hui, depuis plusieurs années, parce qu'on attendait les visas. Vous allez au Conseil d'État, c'est la même chose. L'ancien Premier Président, on doit viser les décisions. L'actuelle, Madame la Première Présidente, vise les décisions. Même en matière de référé, où les décisions doivent se prononcer dans les 48 heures. Les décisions sont prononcées après une semaine, après deux semaines, parce qu'il faut les visas du chef d'office. Ainsi de suite. Donc, je vais faire une réforme qui permet aux magistrats d'être contrôlés. Vous savez qu'en Grande-Bretagne,
Tous les procès sont filmés. Tous les procès. Nous trouverons les moyens pour filmer les procès. Hier, je disais sur une chaîne de télévision que j'avais discuté avec un greffier divisionnaire. Il était d'accord avec moi, Jikai, qui est du tribunal en instance, d'accord avec moi pour dire si on prend des mesures pour s'assurer qu'aucun greffier, aucun magistrat ne sort avec une somme d'argent quand il entre, et qu'on puisse faire fonctionner les mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux. Par exemple, aujourd'hui, on peut demander au magistrat qui a un salaire qu'on peut calculer, on peut évaluer les dépenses qu'il peut faire par mois et combien il peut épargner, comment il arrive à acheter un véhicule de 5 000 $, le magistrat? Voilà, comment il arrive à construire une maison à 3 étages? Vous voyez, c'est tout ça que moi, je vais arrêter. Et croyez-moi, je ne serai pas aimé dans un premier temps parce que je vais mettre de l'ordre, mais après, on se réjouira parce que l'ordre commencera à régner. Voilà, on a compris que vous allez réformer dans le secteur de la justice et Albert Kambale va poser sa question. Je suis Albert Kambale, je suis journaliste, je viens fraîchement de Goma, au nord Kivu. À vous entendre parler, vous avez évoqué le problème de la majorité au Parlement, que l'actuel candidat président sortant a créé de toutes pièces. En violation de la Constitution. Si je vous ai bien suivi, ça c'est vous qui le dites, si je vous ai bien suivi, vous êtes président des partis politiques, mais vous êtes indépendant. Et je me pose la même question. Comment allez-vous aussi, une fois élu président de la République, comment allez-vous aussi avoir une majorité au Parlement si ce n'est pas aussi préfabriqué? Non. Le président sortant, je l'ai rencontré. J'ai parlé avec lui. Je ne peux pas trahir les secrets d'État ici. Je l'ai rencontré. Il m'a fait l'honneur de me recevoir, de recevoir d'abord les candidats, mes collègues candidats avec qui on s'est réunissés en 2018. Parce qu'il est venu me voir dans ma résidence, avec Caméré et ceux qui l'accompagnaient, pour parler au candidat président qui faisait partie du collectif que nous avions ensemble mis en place. Et après, il nous a reçus, après nous avoir reçus ensemble, il m'a reçu personnellement. Mais je lui ai fait comprendre qu'il avait violé la Constitution en révoquant les juges de la Cour constitutionnelle. Et il m'a promis qu'il allait ordonner qu'on leur donne leurs droits, parce qu'ils ont droit à leur salaire pendant 2 ans. Ça n'a pas été payé jusqu'à ce jour. Pourtant, le président m'avait dit, vous pouvez même l'annoncer aux médias. Alors, je lui ai aussi parlé de son accord. Je lui ai parlé de Gabaonites qui avait fait un accord avec les enfants d'Israël, qui avait refusé aux enfants d'Israël de remettre en cause l'accord. Là, c'est dans la Bible. Oui, dans la Bible. Alors, j'ai dit au président, ce qu'il dit, moi, j'ai souffert de la part du pouvoir, mais j'aime défendre ce qui est juste, même en faveur de ceux qui m'ont martyrisé. Je trouve que ce n'est pas juste de remettre en cause une majorité qui est légale. Mais je pense que vous devez négocier. Il avait aussi la possibilité de dissoudre l'Assemblée, de provoquer une situation qui lui permettait de se rassembler et de faire organiser les élections. Mais il a préféré la voie la plus facile. Une fois élu président de la République, si les élections ont réellement lieu, si et seulement si le processus est corrigé, parce que figurez-vous que le président de la CENI s'est abstenu d'afficher les listes définitives par bureau des votes. Monsieur Théodore Ngoï, avec tout le respect, je pense que on vous a posé une question précise. Comment allez-vous constituer votre majorité parlementaire? Les questions d'actualité, je crois, on les abordera plus tard. Non. Si vous pouvez aller directement, expliquer à la population, vous allez en indépendant, comment est-ce que vous allez constituer votre majorité parlementaire qui va sous-tendre, qui va prendre en charge votre programme d'action? Monsieur le journaliste, je vous ai rappelé le cadre légal dans lequel s'organise justement cette émission.
vous me laissez libre de m'exprimer. Vous ne m'interrompez pas. Nous avons plusieurs thématiques, monsieur. Oui, mais vous n'allez pas me demander de faire ce que vous voulez. Je ne suis pas venu ici pour que vous, vous parliez. Je suis venu ici pour que moi, je parle. Nous vous aidons à bien parler en tenant compte de la configuration. Alors non, vous me prenez d'ailleurs beaucoup de temps, vous. Je suis en train, moi, de répondre à ma façon. Et vous me laissez répondre à ma façon. Il faut qu'on s'entende sur ce point-là. Je suis en train de dire, il me pose une question, si je suis élu président, comment je vais faire pour avoir la majorité? Et j'ai dit, si et seulement si, les élections sont organisées comme elles doivent l'être. Et je commence à développer. Vous ne voulez pas que je développe? Non, mon cher journaliste, avec tout le respect que j'ai pour votre profession, et je voudrais vous assurer que j'avais 20 ans, quand j'ai produisé, j'ai réalisé et j'ai présenté l'émission Antenne scolaire. C'est moi qui ai succédé à Manzamou Kalaï. Je vous le conseille. Et j'étais journaliste bénévole. Et je suis diplômé en communication également. Donc je suis quelque part votre confrère. Et donc je respecte votre profession et je vous comprends. Je voudrais que vous aussi vous me compreniez. Tout à fait. Mais c'est le seul moment que je peux venir passer sur la RTNC qui est au service d'un candidat du pouvoir, du candidat du pouvoir. Alors donc, si les élections sont organisées, pourquoi j'ai dit si? Le président de la CENI a l'obligation d'assurer la régularité du processus. La régularité consiste à respecter les différentes dispositions légales, constitutionnelles et légales, pour poser tous les actes en matière électorale. Alors, l'un des actes, c'est de créer un fichier électoral. Le fichier comprend des électeurs qui ont été enrôlés. Et la qualité d'électeur est conférée par l'inscription sur la liste électorale et la détention de la carte d'électeur ou de son duplicata. C'est ça qui fait un électeur. C'est pour ça que la loi dit la liste provisoire est affichée pour permettre aux électeurs et aux candidats de venir vérifier les listes provisoires affichées par bureau de vote, centre de vote, bureau de vote, et présenter un contentieux éventuel qui doit être corrigé par l'autorité compétente. Après cela, 30 jours avant le lancement de la campagne, les listes définitives sont publiées pour que les candidats connaissent les électeurs. La campagne qui est en train de se mener, je viens de l'expliquer à des collègues professeurs dans un forum. Cette campagne n'est qu'une partie de la campagne où les gens offrent un spectacle à coup d'argent. Ils donnent de l'argent, les gens viennent en foule, mais tous ceux qui viennent les regarder ne sont pas nécessairement des électeurs, s'ils n'ont pas été enrôlés, s'ils n'ont pas une carte d'électeur. Lorsque vous connaissez, admettons que je veuille devenir président de votre syndicat ici, vous les journalistes de la RTNC. Mais il faut que l'on publie la liste des candidats pour être élu président, mais aussi la liste des électeurs, pour que je fasse campagne en m'adressant à ces électeurs. C'est la raison d'être de l'affichage. Lorsque dans un bureau de vote, il y a la liste affichée, 30 jours avant la campagne, c'est pour que moi, candidat, je dise, tiens, il y a M. Oscar, il y a M. Kambale dans ces bureaux de vote, je vais les chercher, je vais les contacter. C'est ça la campagne. Je parle à M. Kambale, voilà, vous êtes électeur dans tel bureau de vote, je voudrais que vous votiez pour moi, voici pourquoi vous devez voter pour moi. La campagne n'est pas seulement ce spectacle où on s'adresse aux gens, parfois on diffuse des images passées, on veut les faire passer pour des images nouvelles, mais la campagne, c'est s'adresser aux électeurs. Or, nous ne connaissons pas nos électeurs. Plus de 30 millions, peut-être même plus de 40 millions de Congolais ont des cartes effacées. Et on ne trouve pas nécessairement leur nom dans la base des données. Et on leur donne des cartes, des duplicata pour ceux qui les ont. Un petit nombre. Des cartes avec des numéros différents de leurs cartes. Et on monnaie cela. Résultat, la CENI nous amène dans l'obscurité. Nous ne savons pas qui est électeur.
nous ne savons pas quel est le nombre des électeurs pour pouvoir faire le contrôle. Cela signifie que demain, on va nous proclamer le président sortant comme élu par un électorat inconnu. Ça, c'est votre point de vue ou bien c'est une affirmation? Quand vous dites qu'on va proclamer le président sortant, M. Théodore Ngoï, vous pouvez avancer en répondant avec exactitude à sa question. Mais moi, je ne vous comprends pas. Quel est votre rôle? Votre rôle, c'est lequel? C'est parler, c'est celui que je suis en train de jouer, justement. C'est parler pour les candidats du pouvoir? Je ne suis pas là pour ça. Je suis en train de réglementer l'émission. C'est mon point de vue que je présente et je l'assume. Pourquoi vous voulez l'assumer à ma place? Quand j'affirme, est-ce que l'on est en train de nous amener à une élection qui va aboutir par la désignation et non l'élection du candidat président de la République sortant? Ce sont mes propos. Vous êtes au courant que... Êtes-vous au courant que des candidats présidents de la République dont j'ai fait partie ont porté, vont déposer une plainte? Justement, ça ne fait pas l'objet de cette émission, justement. S'il vous plaît. Ça, ce sont des questions d'actualité qu'on va débattre après. Pourquoi? Maintenant, vous avez, vous avez été invité pour parler de votre programme d'action, de votre projet de société. Mais quoi? Vous voulez m'imposer ce que je dois dire? Je ne vous impose pas. Je vous fais savoir. Non. Arrêtez de m'interrompre. Vous me laissez expliquer ce que je dois expliquer librement. Et c'est conforme à la loi. Les candidats présidents de la République ont accès de manière égale aux médias publics. Tout à fait, on va gratuitement. Vous écoutez, êtes sur le plateau. Pour présenter librement leur programme. Pas pour être interrompu à tout bout de champ par un journaliste. Ou alors je quitte le plateau et je vous laisse. Monsieur le président, monsieur le candidat président, revenons à ma question. La question était de laissez-moi vous répondre, comment vous répondre comme je l'entends. Oui, vas-y, monsieur. Ne me demandez pas de vous répondre comme vous voulez que je vous réponde. Vous voulez qu'on Alors, on doit s'entendre. Allons-y. Sur ces points-là. Allons-y. Alors, donc, j'ai dit que les Congolais, mes électeurs, doivent savoir qu'au moment où nous parlons, ils ne sont pas nécessairement électeurs. Ils ne savent même pas s'ils sont électeurs. Parce qu'on n'a pas affiché les listes définitives 30 jours avant l'élection. Et on ne les a pas affichés jusqu'à maintenant. C'est une infraction flagrante. Et comment allez-vous faire? Vous nous battez avons, campagne, non? Nous allons saisir... Nous avons fait une déclaration hier. Nous allons saisir le parquet général près de la Cour de cassation pour que le président de la CENI soit entendu en flagrance. Ainsi que le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Vous m'avez vu arriver, je suis candidat président de la République. Vous m'avez vu arriver, je suis seul. Alors que le candidat président de la République sortant qui est au pouvoir, il se promène avec les gardes présidentiels comme s'il était encore au pouvoir. Il ne doit se promener qu'avec les forces de l'ordre lui affectées au nombre de 25 policiers, comme tous les candidats. C'est ce que dit la loi. Et c'est le pouvoir public qui doit assurer cela, en l'occurrence, le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. On ne nous donne aucun matériel roulant. On nous propose 25 policiers, alors que la loi dit que les 25 policiers sont à charge du Trésor. Il y a des policiers qu'on a amenés à des candidats sans rien leur donner. Ils doivent prendre en charge. Et puis quand les candidats se déplacent, les candidats président de la République sortant se déplacent, eh bien, on lui laisse la route. Mais nous, tout à l'heure, je suis arrivé en retard parce que j'étais dans les embouteillages. Personne pour m'ouvrir la route. Aucune protection. Monsieur Théodore Ngoï, donc, excusez-moi il y a là une violation délibérée de la loi électorale dans l'intention de nous amener à une élection qui n'en est pas une, à un simulacre d'élection. Monsieur Théodore Ngoï, Si par contre, la CENI corrige le processus. Parce que non seulement nous allons saisir le parquet général après la Cour de cassation, nous allons aussi saisir la Cour constitutionnelle qui a affirmé dans un arrêt qu'elle est le juge ex ante du processus électoral. Donc avant les opérations de vote, elle a le pouvoir d'arrêter le processus, de les corriger. Si nous obtenons cela,
nous allons continuer notre campagne et nous allons passer aux élections. Si on ne nous donne pas cela, il faudra que la Cour constitutionnelle contraigne, exerce son pouvoir régulateur pour amener à ce qu'on corrige et que le processus soit crédible, en attendant que justement transparent. La question ne Oscar, soit corrigée. Oscar, s'il vous plaît, oui. Au cas où M. Todongoy, si la CENI arrivait à répondre à vos desiderata comme vous le souhaitez, alors comment vous ferez justement pour avoir votre majorité parlementaire? Très bien. J'ai le pouvoir de dissoudre le Parlement et de convoquer d'autres élections. C'est un pouvoir qui est prévu dans la Constitution. C'est un mécanisme prévu. Voilà. Maintenant, c'est Patrick qui va poser sa question. Pasteur, bonjour. Bonjour. Je voudrais qu'on change un peu de chapitre, Pasteur. Je vous en prie. Les Congolais vous suivent. Et il y a des gens qui veulent entendre de vous votre propre vision pour ce pays. La RDC connaît aujourd'hui quelques poches d'insécurité dans quelques coins. L'insécurité des étrangers, l'agression, il y a des conflits intercommunautaires ici et là, il y a la criminalité urbaine aujourd'hui. Alors la question que je voudrais vous poser pour changer un peu de chapitre, qu'est-ce que vous allez faire exactement une fois élu président de la République dans les secteurs de la sécurité et comment vous allez y parvenir? L'insécurité a été créée, organisée par un certain nombre d'États de la communauté internationale et ces États ont agi conformément à l'esprit et à la lettre de l'acte général de Berlin qui veut que aucun pouvoir souverain ne soit établi à la tête du Congo. En 1994, à l'ombre du génocide rwandais, la France nous a amenés à travers l'ONU l'opération Turquoise. À travers cette opération, on a amené au Congo 1 million de personnes, si ce n'est pas 2 millions, accusées collectivement de génocide, sans nécessairement en amener la preuve, et leurs enfants, et même les enfants qui sont nés après, sont considérés comme des génocidaires, et sont venus ici armés, et le Rwanda a attaqué le Congo, et la Cour de Lusaka, la résolution 1234, dit que le Rwanda a des raisons valables, même l'Ouganda, d'être venu au Congo, même la résolution 1306 du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour justifier l'occupation de notre pays, l'insécurisation de notre pays, parce que nous faisons face à une économie de l'insécurité, à des entrepreneurs de l'insécurité. Donc ils ont besoin que le pays soit ingouvernable, un trou noir. Les chefs de l'État, même Kabila, n'exerçaient pas l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire congolais. L'actuel président de la République est allé même signer des accords avec ce qu'on appelle EAC, en français on dit EAC, qui carrément met en péril notre destin commun. Il est allé, il a dit, voilà, Kagame, c'est son frère, etc. Maintenant, le discours a changé. C'est un discours belliqueux. Donc il s'est trompé. Il s'est trompé des problématiques. La problématique, c'est que nous avons des États qui ont installé l'insécurité et la MONUC, aujourd'hui MONUSCO, ne nous aide pas du tout. C'est la plus grande mission des Nations Unies, chargée de sécuriser les civils, mais la MONUSCO, ça donne elle aussi à l'exploitation de nos ressources. Vous le savez. Alors donc, pour mettre fin à cela, il faut plusieurs actions sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan de la réforme de l'armée, parce que, voyez-vous, justement, l'accord de Lusaka, avec le programme DDR, a consisté à détruire l'armée congolaise. Vous faites entrer des gens qui ont trahi leur pays, vous les faites entrer dans l'armée et vous les nommez. Et vous faites entrer des étrangers dans votre armée et vous voulez que cette armée soit efficace. Donc, il y aura des réformes importantes à faire
au sein de l'armée. Il faudra moraliser l'armée. Il faudra conscientiser l'armée. Il faudra communiquer un nouvel esprit en sachant que cette armée-là est l'émanation de la force publique qui a gagné des batailles lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons une armée très forte. Monsieur Kagame doit savoir que nous, Congolais, on n'est pas idiots comme il le pense. Et à court terme, vous avez un plan pour mettre fin justement à cette guerre nous imposée par le Rwanda via le M23. À court terme, avez-vous, quelle est la recette, quelle est la potion magique de Théodore Ngoï? D'abord, moi, je ne vais pas tomber dans la démagogie, notamment du président que je vais remplacer. Il a dit, je vais m'installer à Goma. Il ne s'est jamais installé à Goma. Il a dit, si je ne mets pas fin à l'insécurité, alors mon mandat est un échec. Mais il n'en tire pas les conséquences. J'espère qu'il va en tirer les conséquences et me laisser faire la remise et reprise avec lui. Moi, je ne vais pas faire des déclarations démagogiques. Ce sera très difficile. Ce ne sera pas facile. Parce que nous avons une armée qu'on a infantilisée, qu'on a infiltrée, et nous avons une armée qu'on ne nourrit pas, une armée à qui on ne donne pas les moyens, des moyens qu'on détourne. Il y a des généraux qui s'enrichissent à vie d'œil, qui s'achètent des maisons, on ne sait pas comment. Il faudra changer l'esprit à court terme. Il faudra prendre des mesures draconiennes. Lesquelles, justement, par exemple? Non, je n'ai pas besoin nécessairement d'en faire la liste ici. J'ai dit, je prendrai des mesures. Voilà. Alors donc, je vais prendre des mesures qui vont me permettre de fortifier les troupes. Je vais instaurer les services militaires obligatoires. Tous ceux qui terminent la sixième année secondaire, avant de faire des études supérieures, vont entrer dans l'armée. Tous alors. Dès que moi je suis président de la République, ce que fait déjà le gouvernement actuel par le ministre de notre secteur, notre ministre, parce que je suis professeur d'université, le ministre de l'ESU, nous allons... Oui, il y a déjà des étudiants qui sont en formation, hein, qui oui. ont été... Bon, ce qui sont fait, en formation militaire. C'est déjà bien, mais nous allons le rendre plus permanent et plus étendu. C'est parmi des mesures qui vont être prises. Nous allons nous assurer que ceux qui ont la formation militaire soient ceux qui occupent des fonctions dans l'armée, des fonctions stratégiques, des fonctions d'opération, des fonctions de sécurité, etc. Il y a cette école de formation militaire. C'est une très bonne chose que nous approuvons. Il faut reconnaître, c'est le mérite de l'ancien président de la République d'avoir créé cette école. C'est aussi le mérite de l'actuel président de continuer dans ce sens. Nous allons nous organiser pour que cette école fonctionne encore mieux et que la formation soit étendue, parce que ceux qui vont entrer dans l'armée, les finalistes des humanités, vont être formés techniquement, intellectuellement, mais aussi militairement. Donc nous aurons à la fois des policiers, des militaires qui sont formés à l'éthique, formés au respect. Et nous allons travailler aussi sur la population, parce que voyez-vous, je tiens à le dire ici, il y a une notion que j'enseigne depuis quelques jours de manière plus amplifiée, à partir du comportement qu'a eu le président de la République sortant au cadre de concertation. D'abord, il est venu à ce cadre de concertation, alors qu'il est toujours président en fonction et qu'il a des hautes fonctions, mais il est venu. C'est une leçon d'humilité que j'ai approuvée, il m'en a remercié d'ailleurs. Mais la RTNC qui était là, et la CENI, donc la presse de la CENI, et même, je crois, du média public, je ne sais pas comment on l'appelle encore, l'ex-ASAP, l'ACP. Bon, ils n'ont pas publié, ils ont fait passer l'autre partie où j'échange avec lui sur la sécurité, mais ils n'ont pas fait passer là où j'explique que nous nous félicitons de son humilité qui doit être une leçon. Mais je voudrais dire autre chose. On nous a annoncé
que M. Kadima venait entrer. On dit « Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI ». J'étais d'abord étonné qu'on l'appelle « Son Excellence » parce que ça, c'est une appellation réservée quand même, les ministres et tout ça. Lui, il est président de la CENI. Mais bon, là, on a dit « Excellence ». Le président de la République sortant était assis pas très loin de moi. Vous voyez, je suis candidat président numéro 17, 18, c'est Kemalilo, 19, c'est Tchani, et 20, c'est lui, et 21, c'était Fayoulou. Donc, je l'ai entendu. J'ai entendu ce qu'il disait. Il dit, ah, nous devons nous lever parce que le président entre. Ça, c'est quelque chose que je voudrais que tous les Congolais approuvent. Pourquoi? Parce que, étant président de la République, qui a par ordonnance, je crois, nommé M. Kadima, il est là, il s'est dit, ici, je suis candidat, il y a un autre qui a autorité. C'est le respect des règles. La justice, c'est le respect des règles. Si tout le monde commençait à respecter cette notion-là, le respect des règles. Vous voyez, je suis ici comme candidat président de la République, vous me faites asseoir sur ce fauteuil, parce que j'ai un statut, candidat président de la République. Mais ce statut-là, le président de la République sortant ne les respecte pas, ni son ministre de l'Intérieur, en refusant de nous donner les moyens qui, justement, symboliquent, qui fassent respecter ces statuts. Mais ce qu'a fait le président devait nous donner une leçon. Ça veut dire que si je sors sur l'avenue, qui a autorité sur l'avenue? Ce n'est pas moi. C'est l'agent de roulage. Qui a autorité? Si tout le monde commence à respecter l'autorité de ces roulages, et moi, je vais faire en sorte que tout Congolais sache respecter les règles que nous appelons le code de la route. Parce que si on respectait ces règles-là, il y aurait moins d'embouteillages, déjà. Il y aurait moins d'accidents. Cette notion-là du respect des règles, on va l'inculquer à l'armée, on va l'inculquer à la police, la discipline, on va la renforcer. Ce sont des mesures, parmi les mesures que vous demandiez, la discipline. On va faire comprendre aux militaires congolais, aux policiers, ce que moi j'avais lu quand je suis entré pour la première fois au camp Kimbe Imbe. Je devais avoir 16 ans ou 17 ans. Tokowa pona ekolo. Il faut que le Congolais sache que mourir pour défendre sa patrie, c'est même un appel, une vocation biblique. Voilà, Oscar Mbal. Monsieur le candidat numéro 17, tous vos challengers sont presque tous, hein, ils sont sur le terrain, en train de battre campagne pour leur chapelle. Et vous allez commencer quand, votre campagne, votre propre campagne? Mais voilà, tout à l'heure, je vous expliquais que j'ai passé un temps pour faire comprendre à des collègues qu'ils réduisent la campagne au spectacle. Je pensais que vous aviez compris. Mais quand vous me posez la question, je comprends que vous n'avez pas compris. La campagne ne se limite pas à cette promenade que les gens font avec de l'argent, pour certains qui viennent des caisses de l'État. Non. Je suis en campagne, là. Même si, malheureusement, vous allez nous diffuser, je ne sais pas quand, alors que j'étais hier sur un média qui me diffusait en direct. Mais j'ai demandé, j'ai posé la question au vice-président du CESA, qui doit être là, je crois. Parce que je l'ai vu, il m'a accueilli. Il a fait l'honneur de m'accueillir quand je suis arrivé. Vous allez diffuser ma campagne. Ayez vos apaisements. En tout cas, les diffusions, je crois, vont commencer à partir de lundi prochain, en pleine campagne. Ayez vos apaisements. Ayez vos apaisements, puisque nous sommes là dans le cadre des émissions justement organisées par le CESAC. Ce sont des émissions de campagne électorale avec des thématiques bien précises. Donc ayez vos apaisements, M. Théodore. Cette émission, je vous le garantis, sera diffusée sur la RTLC et dans d'autres médias. On ne va rien couper, même les interruptions que vous m'avez causées là. Rien du tout. Ouais. Soyez rassurés, bon, en tout cas. Merci les interruptions, beaucoup. C'est dans la réglementation du temps dont j'ai le monopole sur ce plateau. Rien que ça. Ce n'est pas par rapport au contenu ou à ce que vous dites. Alors, ouais. Jacques, l'autre volet de ma question. Oui. Je suis donc en campagne, Oscar. Ok, on vous attend à l'Équateur, dans le Katanga. Vous avez plaidé Malembankoulou, d'où vous êtes d'ailleurs originaire. On vous attend à Goma et dans d'autres villes de la République. Les gens qui sont à Malembankoulou, les gens qui sont à l'Équateur, connaissent Théodore Ngoï. Ils m'ont déjà entendu, n'est-ce pas?
Même les candidats dont vous parlez là, ils ne vont pas aller partout. Ils vont aller à certains endroits, mais pas à tous les endroits. Donc, s'il échoue, on me verra aussi aller et là, ici et là, parce que ce n'est qu'un élément de la campagne. Voilà, il nous reste 30 minutes. Nous avons déjà passé une heure d'échange. Alors, Albert Kambale, très rapidement, on va changer de thématique. Monsieur Théodore Ngogne, la population du Nord Kivu, en particulier ceux de Beni, si nous allons à Nitouri, Irumu et Mambasa, et Fizi au Sud Kivu, cette population reste encore si sa soif à ce qui concerne votre programme. Parce qu'à vous entendre parler, vous parlez de Kinshasa, vous étiez dans un consortium où le candidat président sortant a montré l'humilité. Vous parlez des histoires qui ne concernent que la ville-province de Kinshasa où vous êtes en train de vous mouvoir. Alors, Monsieur Kambale, excusez-moi de vous interrompre sur ce point-là. Le respect des règles, le respect du roulage pour mettre fin aux accidents sur la route, mettre fin aux embouteillages, ça ne concerne que Kinshasa. Il y a des accidents la que population c'est, de Miriki, à Beni, il n'y a pas d'accident. Qui n'ont pas accès aux champs. Est-ce qu'ils ont à voir avec le roulage et consort? Non, ils n'ont même pas de voiture. Ils ont tout à voir. Il n'y a même pas la route. Dites-moi, posez-moi une question qui me permette de dire un mot qui les concerne spécifiquement, mais ne dites pas que tout ce que j'ai dit ici ne les concerne pas. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, on va poursuivre. On va prendre quelques questions en rapport avec les besoins sociaux de base de la population. Monsieur Théodore Ngoï, candidat président de la République. Aujourd'hui, il a été instauré la gratuité de l'enseignement de base qui a permis au pays donc, de faire étudier gratuitement plus de 6 millions d'enfants congolais. Alors, vous, quand vous serez président de la République, quelle sera votre vision par rapport à l'enseignement au niveau de base? Allez-vous continuer la gratuité ou ça sera une rupture avec vous? Mais d'abord, vous me parlez d'un slogan qui n'est pas mis en pratique. Qui vous a dit que l'enseignement est devenu gratuit? Moi, je suis professeur. L'enseignement de base. Je dis bien, je suis professeur. Au départ, je suis pédagogue. J'étais préfet intérimaire, je vous l'ai dit, non? Moi, j'ai enseigné à l'école primaire. Les parents payent dans les écoles. Continuent à payer. Mais j'ai un fils, moi, qui est à l'école maternelle. La maternelle n'est pas concernée. C'est au niveau de ce qu'on appelait première primaire jusqu'en sixième primaire. J'ai dit, ce n'est pas gratuit. Et premièrement, vous savez dans quel état sont les écoles? Pendant que le président de la République effectue 300 voyages, pour rien, et il dépense beaucoup d'argent, mais on ne peut pas. Il y a des écoles où on s'assoit par terre, vous le savez. Vous ne pouvez pas venir parler ici de la gratuité de l'enseignement des 6 millions d'élèves. 6 millions d'élèves d'où? Mais allez dans nos villages ici, allez à l'Équateur ici, vous trouvez des enfants. Allez dans les Kassai. Et quelle sera justement votre recette? Mais il faut d'abord donner, créer les cadres de dignité dans lesquels les enfants doivent venir étudier. Il faut des bancs, il faut des tableaux, il faut des objets classiques. Nous avons connu la gratuité à l'école primaire. On nous donnait du lait pendant la récréation. Vous pouvez me citer une école où on donne du lait aux élèves, dans votre gratuité aujourd'hui. On nous donnait du lait pendant la récréation. On nous donnait les cahiers, on nous donnait les livres. Et lorsque on proclamait les résultats, le premier recevait des cadeaux. C'était la gratuité. Nos parents ne payaient rien à l'enseignant. L'enseignant avait son salaire. Or, aujourd'hui, jusque-là, on n'a pas donné le salaire à l'enseignant. Il est obligé de monnayer son travail ou de le négliger. L'enseignant est payé aujourd'hui, M. Théodore Ngoï. On a même amélioré sa qualité, la qualité de son salaire. Vous êtes Congolais, non? Vous êtes Congolais, vous êtes journaliste vivant ici au Congo. Vous avez entendu le candidat président sortant, quand il est allé faire son dernier discours, il n'en fera point d'autre, hein, parce qu'il va partir. Son dernier discours sur l'état de la nation, il va dire que lui, il a amélioré les salaires. On payait, je ne sais pas moi, 100 000 francs,
Maintenant, on paye 200 000 francs. Ce n'est pas c'est... 200 000, c'est au-delà de 400 000, 500 000, 600 000. Même 400 000, 500 000 francs, ça correspond à combien Et vous, vous donnerez combien à un enseignant, justement, quand, bientôt, là, quand vous allez prendre votre pouvoir, vous donnerez combien à un enseignant? C'est compte tenu de l'état de l'économie, au moment où je prends le pouvoir, oui. Il y a des mesures que je vais prendre immédiatement, d'autres que je vais prendre au fur et à mesure, parce qu'il faudra oui. que je récupère d'abord toutes les Une idée d'ensemble, vous donnerez combien de chiffres? Pardon, non, je ne vais pas donner des chiffres. C'est faux. Ils viennent donner des chiffres, ils disent des choses. Et le candidat sortant nous a parlé d'un budget de, c'est pas moi, 100 milliards. Est-ce qu'il y a un budget de 100 milliards ici? Les gens vont venir vous donner, tous ceux qui viennent vous donner des chiffres, ils donnent des chiffres faux. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne vais pas donner des chiffres, je vais poser des actes. Ce que je vais dire, c'est lorsque vous dites, vous, président de la République démocratique du Congo, même si vous êtes sortant, vous allez dire comme ça, là, vous dites aux Congolais, on vous payait 200 000, maintenant, moi, je vous paye 400 000 francs. Qu'est-ce que c'est que 400 000 francs? Ce n'est même pas 200 dollars. Et vous-même, là, vous n'arrivez pas à nous dire exactement qu'est-ce que vous ferez au-delà de ce que lui donne. C'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Vous avez horreur des chiffres, vous ne voulez pas avancer des chiffres. Je vais vous le dire. Au moins, je peux vous dire ça. Le minimum, dès que je suis devenu président, que je pense pouvoir donner, le minimum à un chauffeur, à un domestique, à une sentinelle, c'est 500 dollars. Et à un enseignant? Un enseignant, ce sera beaucoup plus que ça. Un professeur voilà. d'université, oui, Patrick. Naturellement, ce sera davantage, plus que ça. Une question, Patrick? On paye 21 000 dollars au député qui a été formé par les professeurs d'université et l'enseignant de l'école primaire, mais on va donner, on se vante de donner 400 000 francs à l'enseignant, alors qu'on corrompt carrément le député en lui donnant 21 000 dollars. Voilà. Maintenant, on va parler de l'économie. Vous savez, M. Théodore Ngoï, que l'économie congolaise est plus tournée sur un seul secteur, les mines. Vous êtes un ressortissant du Katanga, passez-moi le terme, vous connaissez la réalité. Alors, une fois au pouvoir, quel est le modèle économique que vous allez imprimer pour que le pays avance? Non. Je savais que vous allez vouloir m'amener dans ces débats théoriques des économistes et tout ça. Que je vous dise, voici mon modèle, non. Je vais vous parler de ce que je vais faire pour créer une économie efficace. C'est ça le sens de la question. Oui, mais parce que vous me dites, quel est votre modèle économique? Il n'y a pas de modèle économique ici. Il y a des actes que je vais poser. Vous avez dit que notre économie se focalise ou se nourrit des ressources minérales. D'abord, parlons de ces ressources minérales. Elles ne sont pas contrôlées par l'État congolais. Elles sont exploitées illicitement. Il y a un gouverneur, un ancien premier ministre, aujourd'hui en coalition, qui ont mis à terre la société, la SNCC, qui transportait les minerais. Ils ont créé les sociétés à eux, à Kona Matata, à Barigani, à Tari, et des camions qui transportent des minerais sans que ceci soit comptabilisé. On ne sait pas quelle est la valeur de ces minerais, on ne sait pas où ces minerais vont. Et figurez-vous que les chauffeurs de ces remorques qui continuent encore à faire sortir nos minerais, ce sont des Kenyans, des Tanzaniens, ce sont des Sud-Africains. On a détruit une société de transport. On a détourné nos minerais et on a privé des salaires des parents. Et on veut être résident de la République, c'est pour offrir toutes les ressources minérales. Parce que savez-vous, cher ami... Oui, vos actions, vos actions. Il n'y a pas... Non, non, laissez-moi, il n'y a pas que le Katanga qui a des ressources. L'Équateur, c'est plein de ressources. Le Congo central, c'est plein de ressources. Le pays, c'est le pays d'un scandale. Alors, vos actions maintenant pour relancer l'économie. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Alors donc, il faudra d'abord libérer, en ce qui concerne les mines, il faudra les libérer de cette occupation, de cette exploitation. C'est un travail qui se fera à moyen terme, à long terme, je ne sais pas. Mais il faudra le faire. Mais je vais d'abord créer les routes.
pour refaire l'économie congolaise. Il faut désenclaver le pays. Il faut... Et ça, c'est un travail que je vais faire à court, à moyen et à long terme. Les routes vont permettre que nous n'allions plus acheter des mangues, des pommes, des oranges, du poisson, dans des alimentations tenues par des Indiens, des Pakistanais, des Libanais, au Congo. Nous avons les poissons qui se meurent. Dans les Tanganyika, on parle de 12 couches de poissons. Jusque-là, on n'en a pas exploité une seule. Les poissons meurent. Il faut évacuer, il faut organiser l'exploitation, l'industrialisation de la pêche. Il faut organiser l'évacuation de nos ressources qui périssent. Nous avons toutes sortes de nourriture. Je suis allé donner cours à Kamina. Mais j'étais logé dans le guest house de l'université de Kamina, comme professeur, visiteur. Mais j'ai mangé la viande naturelle. J'ai mangé les poissons naturels. Quand je suis revenu, on m'a dit, « Oh, tu poto ?» J'ai dit, « Non, on a aussi kanambo, on a besoin. Poto est à la kawa, na Congo. » Donc, lorsque j'ai fait les routes et les ponts, donc voie ferroviaire, voie fluviale, voie maritime, voie lacustre, voie terrestre, quand je vais faire ça, regardez, quand nous allons au Congo central, nous suivons une route serpentée. Alors que c'est ce que si le candidat président de la République sortant avait fait ça, moi je ne serais pas candidat président de la République. S'il avait fait une route qui part par exemple de Kinshasa, ben on fait une route, on fait des ponts comme en Chine là, qui va tout droit jusqu'à Mwanda. Cette même route, on l'a fait tout droit. Et on a l'argent pour ça, on a les moyens pour ça, qui vont dans les poches des gens. On fait ces trucs-là. Mais un Congolais pourra prendre son vélo, il va vendre quelque part. Moi, j'ai voyagé de Manhattan à Atlanta par Greyhound, un bus. On est parti à 20h et c'était prévu d'arriver à Atlanta, en Georgia, à 16h15. Et mon ami m'attendait là à 16h15. On est arrivé à 16h15. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Il n'y a pas de route. Est-ce que vous le savez, mon frère? Il n'y a pas de route de dessert agricole. Il n'y a pas un encadrement de la production locale, de la production dans nos provinces, ici. Qui produisent du maïs? Nous mangeons le riz thaïlandais, alors que nous avons le riz de Bumba, ici. Nous pouvons produire le riz partout. Donc, faire les routes, c'est vraiment prioritaire. Pour non seulement que nous puissions, nous, manger ce que nous produisons, mais nous puissions aussi les vendre, l'exporter. Nous importons la nourriture au lieu d'exporter la nourriture que nous avons ici. Voilà. Oscar. Monsieur le candidat numéro 17, Théodore Ngoy, j'admire votre foi. Vous dites que bientôt vous allez briguer la magistrature suprême du pays. Ah, vous briguez déjà. Ah, oui. Merci. Mais je voudrais vous poser une question. Bientôt, je vais être le président de la République en fonction. J'admire votre foi. Ah. Mais vous en avez les moyens. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Voilà ma question, c'est par rapport au budget, parce que vous serez jugé par rapport aux projections que nous faisons ici. Vos électeurs sont en train de vous suivre. Vous, par rapport à la dimension de ces grands Congos, vous entrevoyez quel budget? Parce qu'aujourd'hui, on parle de plus de 14 milliards de budget national. Et vous, quand vous serez élu président de la République, vous aurez quel budget? Parce que vous parlez des routes qui doivent être jetées, des ponts qui seront jetés sur le fleuve jusqu'à Banana et aller même jusqu'à Lubumbashi, même à Malembankoulou. Vous entrevoyez quel budget? Et puis, qu'allez-vous faire pour améliorer les pouvoirs d'achat des Congolais? Bien, mais je venais de répondre vraiment à la question 1. Je ne vais pas donner des chiffres du budget. Mais pourquoi pas, monsieur Tondo? Non. Vous serez jugé par rapport à ça. Des chiffres, non, s'il vous plaît, c'est faux ça. Vous voulez m'amener dans les schémas de tous ceux qui ont donné des chiffres ici? Faux. Hein? Attendez, moi je suis en train de vous dire comment je vais trouver l'argent. Quand je trouverai l'argent, vous saurez c'est quel chiffre que je vais avoir. Et si vous n'avez pas encore fait des études, des estimations précises? Non, ne me dites pas que je vais faire les études. Ce sont des fausses études. Et si mais ce sont des fausses études qu'on vient de vous présenter ici.
Moi, je ne vais pas vous faire des projections en disant non, je vais faire 100 000 milliards. Le président sortant parle de 100 000 milliards, mais il a un budget de combien? De 3 milliards ou 4 milliards. Il y a un monsieur là qui était candidat et qui menaçait d'exister pour un autre qui lui est semblable. Hein? Il nous a présenté, comment ils appelaient ça d'abord, les trucs macroéconomiques, les indicateurs macroéconomiques et tout ça. Ça, c'est fait pour tromper les gens. Moi, je vais faire des choses concrètes. L'argent que les agents des régies financières ici utilisent pour construire des maisons à 3 étages, je vais fermer les robinets. Comment? Vous aurez combien d'argent? Ils ne pourront plus. Mais attendez, d'abord, l'infraction qu'on appelle de blanchiment des capitaux, elle existe, mais on ne l'applique pas. Vous êtes journaliste, je crois, ici à la RTNC, je suppose directeur. Mais si on vous voit demain dans un véhicule qui coûte 50 000 dollars, mais il faut nous expliquer comment vous avez eu 50 000 dollars par rapport à votre salaire. Et ils sont nombreux comme ça, là, qui ont des maisons, qui ont des véhicules. Dès qu'il est devenu ministre, dès qu'il est devenu DG, il s'achète des maisons. Mais nous allons récupérer tout ça, hein, parce qu'ils devront nous expliquer où est-ce qu'ils ont trouvé ça, comment ils ont obtenu tout cela. Voilà. Il n'y aura plus, quand je serai président de la République, d'agents, de régies financières et qui ont... Vous savez, sous... tu sais, dit, on a vu un monsieur, je crois qu'il s'appelle Massaro, avec sa fille, hein, jouer avec des paquets de milliers de dollars, comme ça, là. Et il... Non. Je vais récupérer tout cet argent. Voilà. C'est beaucoup d'argent. Faisons le total, permettez. Faisons un peu le total de tout ce qui a été détourné sous Tshisekedi. Ce qu'on a dit qui était là détourné, je ne vais pas citer les noms. Si on essaie de mettre ça ensemble, ça combien? Mais vous n'avez pas donné des chiffres? Combien? Non, je vous ai dit que tous ceux qui viendront vous donner des chiffres, ce sont des chiffres faux. Voilà. Ils sont basés sur aucune étude de terrain. Moi, ce que je vais faire, c'est poser les actes qui me permettent de récupérer l'argent du trésor qui va dans les poches des gens, fermer les robinets, empêcher l'exploitation illicite des ressources minérales et autres richesses de la RDC. Je vais veiller à ce que l'OFIDA ici, qui récupère... C'est la DGDA. Hein? La DGDA. Ah, la DGDA, la direction des impôts, même toutes les régies financières vont jouer leur rôle. Vous verrez. Vous verrez, les provinces, qui ont droit, n'est-ce pas, à un budget et qui ont droit aussi, qui génèrent des recettes. Nous allons travailler pour que ces recettes soient traçables, visibles. On va finir avec... Et donc, avec ça, je pourrais, après un temps, vous dire au départ, bien sûr, on va me proposer un budget qui est conforme aux réalités économiques, que je vais trouver. Dont le montant reste encore top montant, secret jusque-là, puisque sera déterminé, c'est clair. N'y a pas pensé, il n'y a pas de prévision dans le mode de gouvernance de Théodore Ngoï. On ne peut pas projeter, on ne peut pas concevoir. Vous savez, il y a une chose vraie que disait l'actuel président qui va sortir. Il disait, il n'y a que le président Kabila qui peut dire que la réalité du pouvoir, c'est ça. Il avait raison de ce point de vue, dans une certaine mesure. Pas dans toute la mesure de ce qu'il disait. Oui. Mais quand je serai président de la République, j'aurai affaire à des réalités. En ce moment-là, je pourrais dire, voilà, pour cette année, je peux poser tels actes en faveur de l'amélioration de la situation sociale, de la santé des Congolais, de l'accès à l'eau, à l'électricité, avec tel budget, parce que l'État détermine d'abord ses dépenses et ensuite cherche les recettes. En ce moment, on peut les faire. Mais quand on va dans les livres, là, on dit, voilà, moi, j'ai un plan de 100 000 milliards. Mais c'est... Voilà, on va finir avec le chapitre, en abordant le chapitre diplomatique. Votre vision sur la diplomatie, on prend Albert Kambale. Monsieur Théodore Ngoï, aujourd'hui, la RDC, un grand pays au centre de l'Afrique, est entouré par des pays des Grands Lacs. Et comment allez-vous renforcer la diplomatie qui fera rayonner la RDC au centre de l'Afrique? Bon,
La diplomatie, c'est le cadre à travers lequel un pays exprime sa force, sa puissance. C'est cela. Vous êtes faible. Vous ne savez même pas convaincre la communauté internationale de reconnaître votre misère, de reconnaître les crimes qui sont commis contre vous, de faire reconnaître les génocides. Moi, j'ai vu le président sortant aller au Rwanda, aller écrire quelque chose sur le génocide. J'étais secoué là. Le Rwanda est auteur du génocide ici au Congo. Le Rwanda a des comptes à rendre à ces pays-ci. Le Rwanda a affronté l'Ouganda à Kisangani. Des Congolais sont morts. Nous sommes, nous, victimes d'un génocide que le président sortant était incapable de faire reconnaître par la communauté internationale. Nous sommes victimes d'une guerre dont on ne parle pas. La guerre qui nous est menée au Congo est plus destructrice. Mais il y a eu une diplomatie agissante. Vous avez vu plusieurs fois le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères voyager, sillonner, son confrère de l'intégration régionale également, pour faire entendre la voix de la RDC. Et la voix était entendue. Quels sont les dividendes? Est-ce qu'on a reconnu que les Rwandais agressent les Congo? Macron est venu ici. Il a manqué de respect à notre président et à nous tous ici, en osant dire à notre président, vous avez été incapable de mettre fin à la sécurité. Et le président aurait dû rappeler à ces messieurs, et si moi j'étais à sa place, j'aurais dit à ces messieurs, je vous rappelle que c'est vous qui avez amené l'insécurité ici. Bon, alors, Macron, il a reconnu la guerre que nous mène le Rwanda? Non. Il n'a pas parlé de ça. Il n'y a pas une communauté internationale qui reconnaît que le Congo est agressé par le Rwanda. Jusqu'au moment où nous parlons. Donc la diplomatie n'a pas été agissante. Il faut... dans la diplomatie, sur le plan diplomatique, que vous soyez d'abord fort intérieurement, fort militairement, fort économiquement, fort politiquement, fort sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'élite, pour vous défendre sur le plan international. Vous voyez ce que fait M. Poutine, n'est-ce pas? Si on l'écoute, si on n'ose pas l'attaquer, ben on sait que c'est un pays nucléaire. Il a l'arme nucléaire. Il a une économie forte. Il a su contourner les mesures prises contre son économie. On a voulu détruire son économie, on n'a pas réussi. Mais nous allons faire quelle diplomatie quand nous ne savons même pas faire reconnaître nos morts. Des morts injustes. Nous ne savons même pas faire reconnaître que nous sommes occupés. Nous sommes agressés. Ce que je ferai, moi. Voilà. Monsieur Théodore Ngoï, nous sommes arrivés à la fin, hein, presque à la fin de notre échange. C'est vite passé, je crois. Mais je m'en vais vous poser une question. Croyez-vous avoir convaincu les Congolais avec le discours, avec les explications que vous avez données ce soir? Pourquoi vous me posez une question pareille? Alors c'est à vous que je devrais la poser, moi. Hein, n'est-ce pas? Ici, c'est vous. Est-ce que vous êtes convaincu? C'est nous qui posons des questions, monsieur Théodore. Êtes-vous convaincu? Il revient à nous de vous poser des questions. Non, mais je peux aussi vous la poser. Vous, êtes-vous convaincu de mon propos? Êtes-vous convaincu que je serai le président que j'annonce que je serai? Êtes-vous convaincu? Vous pouvez dire ça aux Congolais qui vous suivent. Voilà. Moi, je voudrais dire aux Congolais qui me suivent, vous avez les cartes, vous avez le bulletin des votes. John Kennedy, s'il n'avait pas été tué d'ailleurs, je crois que Lumumba n'aurait pas été tué. John Kennedy a dit que le bulletin des votes, c'est une balle, elle est plus forte que la balle. Donc avec votre bulletin des votes, si, et seulement si, M. Kadima corrige les processus sur décision de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de cassation, et que vous êtes reconnu dans votre qualité d'électeur, on vous donne des vraies cartes lisibles et vos noms sont affichés comme de droit, vous entrerez dans l'urne. Vous ferez une vraie révolution.
Moi, je ne suis pas un candidat qui est, si vous voulez, lié au pouvoir ou à la communauté internationale. Je suis un intellectuel qui s'est forgé par ses convictions. Je suis le résultat de mes convictions. Et le président de la République sortant le sait, parce qu'il m'a demandé aussi « Pourquoi tu ne veux pas travailler avec moi ?» Et je lui ai dit « Pourquoi ?» Je lui ai donné mes conditions. Le président de la République qui lui a succédé, Joseph Kabila, combien de fois il a voulu, il m'a nommé même. Et j'ai refusé parce que j'estimais que la valeur justice que je voudrais faire promouvoir pour que vous commenciez à être défendu, protégé dans votre emploi. Savez-vous que vous, Congolais, vous pouvez être licencié par un Libanais, il n'y aura aucun ministre qui va vous défendre. On peut vous licencier comme on veut, on licencie les Congolais comme on veut. J'ai vu des Congolais au Katanga se plaindre et dire Aina Inchi est tout là, Inchi Abanane. Pourquoi? Parce que le gouverneur qui était là ne les a pas protégés, on les a révoqués par un Indien et on les a enfermés, on les a mis dehors. Quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, on a révoqué des agents de l'ex-Petro-Congo qui étaient sortis. Ils ont laissé même leur argent dans les bureaux et leurs habits. Mais le lendemain, on leur a dit, vous n'entrez pas. Oui, parce qu'il n'y a pas encore un dirigeant dont le souci est d'assurer votre protection, la protection de votre dignité, la protection de votre emploi, la protection de votre accès à un logement décent, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, l'accès à une économie fondée sur nos propres richesses, des routes qui nous permettent de faire circuler nos propres richesses. Une économie fondée sur l'exploitation par nous dans l'indépendance de nos richesses, de nos ressources minérales qui sont variées, de notre énergie hydroélectrique, de notre carbone, de toutes nos ressources sur le plan environnemental. Nous avons toutes ces richesses. Il ne nous manque qu'un homme. Souvenez-vous des pharaons. Il parle avec Joseph. Joseph lui dit, il faut trouver un homme. Donc l'enjeu, ce n'est pas le programme, qu'on ne vous trompe pas, ou les chiffres qu'on vient de vous donner ici. Les journalistes veulent que les gens viennent donner le programme, les chiffres, mais ce dont vous avez besoin, c'est un homme. Et Joseph a dit, un homme, choisis un homme, pharaon, chef d'un pays à l'histoire millénaire, hein, un pays qui avait une forte armée, un pays des savants. Il lui dit, choisis un homme. Et Pharaon lui dit, où trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui réside l'esprit? Toi seul peux faire ça. Et Joseph, à lui seul, il a sauvé l'Égypte de la famine, il a bien géré les temps, l'abondance, et quand la famine est venue, l'Égypte a survécu. Vous avez besoin d'un homme en qui réside l'esprit? Je suis enfant de Dieu, le nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis un homme instruit, suffisamment instruit pour comprendre tous les enjeux, comprendre notre histoire. J'ai la force morale nécessaire, la distance nécessaire dont parlait Mitran pour pouvoir prendre les décisions sur le plan international et sur le plan national. Je serai le président qui va vous rendre votre argent qui est détourné par les prédateurs nationaux et les prédateurs internationaux. Je vais vous les rendre sous forme d'emploi, sous forme de salaires, sous forme d'écoles, voilà. Sous forme des routes. Je suis Théodore Ngoï Ilunga Wasenga, candidat président de la République numéro 17. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, cet échange a pris fin. Nous, Oscar Mbalkaïj, Albert Kambale et Patrick Mulunda, donc et moi-même, nous vous disons merci pour avoir pris, donné de votre temps, donc le monde de votre temps pour suivre cette émission. Nous disons également merci au candidat Théodore Ngoï, le candidat numéro 17, Théodore Ngoï, qui a bien expliqué son programme d'action. À vous de juger. Au revoir.